It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. If I was a sculptor, but then again, no. Or a man who makes potions in a traveling show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. And you can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind. I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is while you're in the world. I sat on the roof and kicked off the moss. Well, a few of the verses, well, they've got me. Santé pour celle de nos enfants, pour le courage d'en faire preuve. Ce n'est pas évident de continuer de résister face à ces murs, des murs qui sont sans émotion, sans compassion, sans attention à votre égard. Ils ne veulent pas savoir comment vous vivez, comment vos enfants vivent, comment vos familles vivent, de quoi vous vous nourrissez. Ils sont aveugles, ils sont autistes, avec tout le respect que je dois aux autistes. Parce que les autistes, c'est un problème de santé. Alors que eux, ils se considèrent comme plus intelligents que nous, plus futés que nous, au point de décider pour nous de ce qui est bon et ce qui est mauvais. Parce qu'ils l'ont décidé. Personne ne leur a donné ce mandat-là. Personne ne les a autorisés à décider pour ma santé, ce que je dois prendre comme médicament ou pas. Ce que je dois prendre comme vaccin ou pas, ils s'en moquent, ils ont décidé de le faire et ils le font. Il y en a qui ont cédé. Il y en a qui ont cédé parce qu'ils sont convaincus. Je les respecte. Il y en a qui ont cédé par peur. Là, je ne peux qu'être solidaire d'eux parce qu'ils ont décidé de le faire, parce qu'ils n'ont pas d'autre choix que de nourrir leur famille, mais pas par conviction d'être vaccinés. Vous, vous faites preuve de plus de courage encore parce que vous allez jusqu'au bout de votre démarche. Cette démarche devant laquelle je m'incline, je ne peux que m'incliner et dont je suis solidaire. Je suis solidaire en tant qu'avocat, mais aussi en tant que citoyen. Cette situation nous désole tous. On aurait préféré travailler tous à l'hôpital pour soutenir les équipes et être à leur côté, soutenir les malades réellement. Au lieu de parler de pénurie sanitaire, vous auriez été mieux à l'hôpital. Mais encore faut-il qu'on vous laisse la possibilité d'y accéder. Vous n'avez pas
accès à l'hôpital en tant que soignant, mais vous n'avez pas accès à l'hôpital en tant que malade. J'ai appris que vous n'avez même pas le droit aux soins. Vous tombez malade aujourd'hui, vous n'y avez pas accès. Vous n'avez pas droit au RSA, alors que les clochards y ont droit, avec tout le respect que je dois aux clochards. Pour des gens qu'on a applaudis tous les jours pendant la période de confinement à 20h, voilà ce qu'on leur offre, d'être moins que des clochards. Je suis désolé de vous le dire brutalement, mais c'est la réalité économique qui est imposée par les autistes de ce gouvernement. Maintenant, ça commence à bien faire. Sachez une chose, c'est que je suis aujourd'hui là pour me battre pour vous. Je le ferai jusqu'au bout. Merci. Tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in the words how wonderful life is while you're in the world. The moss, well, a few of the verses, well, they've got me quite cross. But the sun's been quite kind while I wrote this song. It's for people like you that keep it turned on. So excuse me for getting these things I do. You see, I've forgotten if they're green or they're blue. Aujourd'hui, j'ai défait comment on travaille. Aujourd'hui, j'ai essayé de faire entendre votre voix. Votre voix qu'on a rendue silencieuse, pour ne pas dire éteinte, parce qu'on ne veut pas vous entendre. Je suis la voix aujourd'hui des insoumis, c'est-à-dire ceux qui ne veulent pas se soumettre à cette espèce de diktat imposé par le gouvernement, qui est sourd, qui est autiste, qui ne veut pas comprendre ce que veut dire le mot liberté et ce que veut dire le mot consentement. Bravo. Le consentement, c'est un droit naturel et inaliénable qui nous sépare et qui nous distingue des animaux et des esclaves. Ce gouvernement veut nous réduire à être soit des esclaves, soit moins que des animaux, parce qu'il y a des animaux qui ne sont plus respectés que vos droits. Et c'est ça aujourd'hui que j'ai essayé d'exprimer devant le tribunal. Maintenant, la balle est dans le camp du tribunal, nous verrons ce qu'il décidera et nous aviserons à ce moment-là. Je pense que votre voix, ça c'est moi qui le dis, a été exprimé et explicité avec les mots justes. J'ai parlé avec cœur, j'ai parlé avec émotion, j'ai parlé avec justesse et surtout sur des fondements juridiques. C'est-à-dire qu'on n'est pas ici pour faire un spectacle, on est ici pour parler droit. Et on a parlé droit. On a parlé des règles qui concernent notre démocratie, qui concernent votre droit en tant que citoyen et en tant qu'être humain. Ces droits ont été bafoués, qui continuent d'être bafoués. Maintenant, il ne faut qu'une seule chose, c'est que le gouvernement recule et comprenne qu'aujourd'hui, vous avez besoin de retrouver votre dignité, de retrouver votre honneur, de retrouver votre travail, de retrouver la possibilité de subvenir à vos besoins par votre travail. C'est-à-dire comment nourrir sa propre famille au lieu d'être obligé de solliciter l'aide alimentaire. Vous n'avez pas à solliciter l'aide alimentaire parce que vous valez beaucoup mieux que ça. Mais le gouvernement français ne veut pas le comprendre. Il vous réduit aujourd'hui à un stade, je dirais, innommable, parce que in fine, il n'a pas de respect pour ce que vous faites, il n'a pas de respect pour votre profession. Continuez comme ça, je continuerai avec vous, je continuerai de me battre pour vous,
et bien entendu, on finira très probablement de gagner. En tout cas, sachez une chose, que je serai toujours à vos côtés et vous pouvez toujours compter sur moi.